Salut tout le monde, il fait un temps splendide ce soir. Au commentaire, Hervé Matou accompagné de Pierre Ménès. C'est un vrai test match que l'on va suivre, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections. La Belgique affronte le Portugal. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'on va avoir un super match. Alors que s'affiche la composition de l'équipe de Belgique, Thibaut Courtois sera dans les buts. Yann Vertonghen en défense aux côtés de Alderweireld. Kevin De Bruyne sera au milieu de terrain avec Yuri Tielemans. Et devant, Eden Hazard pour porter le danger en attaque aux côtés de Romelu Lukaku. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. C'est la Belgique qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Yann Vertonghen, Kevin De Bruyne, Dallaire, pour Thorgan Hazard, Eden Hazard, alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Fernandes, Renato Sanchez, attention à la frappe. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Ils ne s'attendaient pas à se retrouver si vite en position de marquer. Yuri Tielemans. Ballon pour Mertens. Allez, c'est donné par-dessus. Yuri Tielemans. Hazard. Ça n'ira pas plus loin. Un ballon à destination de Cristiano Ronaldo. Ah oui, parfaite la récupération. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Thorgan Hazard. Kevin De Bruyne. Renato Sanchez. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Rafael Guerreiro. Ronaldo. Renato Sanchez. Oh, le gardien qui a eu chaud là, sauvé par sa transversale.
Kevin De Bruyne. Avec Lukaku. Torgan Hazard. De Bruyne. On a décidé de laisser venir l'adversaire, invisiblement. Attention à cette action côté belge. Oh, il était temps d'intervenir là. Bruno Fernandes. Pour Nelson Semedo. Il gagne du terrain. Bernardo Silva. Avec Bruno Fernandes. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Eden Hazard. Pour Torgan Hazard. Bruno Fernandes. Allez, par-dessus. En profondeur, attention. Oh, c'est encore chaud. Oh, l'occasion ratée. Quelle occasion ratée par les Portugais qui pouvaient ouvrir le score. Ah, le pauvre sélectionneur belge, il a des soucis avec son attaque aujourd'hui. Thomas Meunier. La passe pour Thomas Meunier. Ça sort, ce sera une touche. Il faut qu'il centre maintenant. Ouais, bon arrêt, tranquille sur cette tête. Oui, alors ça, c'est des stats qu'on n'aime pas. Peut-être que les gars vont se réveiller, mais là, vous la sentez venir, la grosse vieille purge. De Bruyne. Avec Thomas Meunier. Le centre pour Eden Hazard. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. De Bruyne. De Bruyne, ça continue. Ouais, bonne intervention. Le jeu qui s'arrête. Oh, je pense que l'arbitre va demander au soigneur de rentrer, peut-être. Ouais, je crois que c'est quand même plus sage qu'il sorte. Hein. Ah bah oui, parce qu'à force, il devenait un handicap pour son équipe. On l'a vu grimacer sur sa blessure. Et là, il sort. Ouais, on recommence à partir d'une balle à terre dans ces cas-là. Yuri Tillmans. Thomas Meunier. Il a piqué son ballon. Torgan Hazard. C'est un centre pour Batshuayi. Ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe de virer en tête si elle marque. Attention. Allez, petite combinaison sur ce corner. Et Pépé qui préfère dégager. À la tête et ça sort. Ce sera une touche. Attention, il peut centrer là. Allez, dégage, très loin. Une première période assez décevante hein, sur le plan offensif. Pas de but en 45 minutes, c'est dommage.
C'est parti pour la seconde période avec les Portugais à l'engagement. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Renato Sanchez. Avec Danilo Pereira. Nelson Semedo. Ils font tourner en attendant une ouverture. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ça, c'est très bien défendu. Attention à la contre-attaque. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. Et un bon coup à jouer, là. Ah, c'est bien joué. Ils ont su profiter des espaces pour mener une contre-attaque fatale. Ouais, comme à l'entraînement. Bravo. Ce ralenti, Hervé, est quand même un peu cruel pour le gardien. Si le mec prend des pions comme ça de ce petit côté, ben ça devient tout de suite très inquiétant. Hein. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Bruno Fernandes. Nelson Semedo. Bernardo Silva. C'est un coup franc pour le Portugal. Et c'est renvoyé par le poteau. Avertissement sans frais, hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Cristiano Ronaldo. Il a pris sa chance de loin sur ce coup franc et au final, ça passe tout près du cadre. Ah, vu la distance, c'est quand même bien tiré, mais ce qui est quand même pas mieux à faire. David Carrasco. Oh oui, encore une bonne passe. Alderweireld. Dries Mertens. Yannick Carrasco. Romelu Lukaku. Oui, l'occasion. Ah, il est hors jeu, il est hors jeu, Lukaku. Ballon qui va revenir à l'adversaire. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Pepe qui contre. Cristiano Ronaldo. Renato Sanchez. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ça manque de monde hein, derrière. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ah, l'attaque enrayée. Et on repart de l'autre côté. La Belgique à l'attaque. Michy Batshuayi. Lukaku pour Carrasco. Diogo Jota, entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ronaldo, il a bien lu le jeu.
C'est peut-être un moindre mal de concéder la touche parce que l'équipe adverse était montée au pressing. Clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Il va pouvoir centrer. Et c'est contré par Vertonghen. Mine de rien, il continue d'avancer. Bernardo Silva. La frappe contrée par Alderweireld. Et ça sort en 6 mètres. D'ailleurs. Il enchaîne les bonnes passes. 8 minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Qu'il est important ce ballon, qu'il est important. Le public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Un duel gagné, il prend le ballon. La dernière attaque certainement pour le Portugal. S'il veut l'égaliser, c'est maintenant. Les Belges qui ne sont pas encore à l'abri, mais qui ont ce petit but d'avance, c'est important. Belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment. C'est bien fait, il a bien fait de ne pas se rater. La tête et le ballon qui sort en touche. Alderweireld. 3 minutes, il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Intervention du défenseur qui a écarté le danger. D'ailleurs. Il essaye en louche un petit peu. Que c'est bien donné ça. C'était l'occasion de tuer le match peut-être. On reste sur ce but d'écart, Pierre. Oui, remarque, c'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Son équipe peut encore aller chercher le nul, mais il faut faire vite maintenant. Romelu Lukaku. Le défenseur intervient au dernier moment. On en veut un peu à l'arbitre. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. Pierre, votre sentiment sur le match de Mertens ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.